La piraterie, j'espère que tu vas bien. Ça y est, il est enfin arrivé l'anniversaire. Enfin, la mise à jour, elle a mis du temps, mais elle est finalement arrivée. Hein. Donc, direct, hein, on va checker ça. Et puis, on va espérer avoir le petit Oden Kozuki. Hein. J'ai pas beaucoup de gemmes. Hein. Bon, là, voilà. Hein. C'est après le tirage. Hein. Là, tu vois, j'ai plus qu'une gemme. Hein. C'est tout ce qui me reste. Mais je vais faire deux petits tirages. J'ai eu l'occasion, voilà. J'avais 50 gemmes. J'en ai 50 de plus grâce à ce qu'ils nous ont donné là à la Nive. Du coup, on va profiter de ça et puis espérer de toucher un petit peu de la chance, quoi. Ouais, je veux surtout un nouveau personnage, mais bon, après, dans l'idéal, hein, un Oden Kozuki, ça serait le top du top, quoi. Hein, vraiment, c'est celui qu'on vise. En espérant qu'il tombe. Mais bon, s'il y a un petit Kiku, un petit Kawa, je dis pas non, franchement, il n'y a pas de problème. Surtout la Kiku. Perso bleu, je focus méta bleu, parfait. Allez, c'est parti, c'est l'heure d'invoquer Oden. Enfin, principalement Oden, hein. C'est celui qu'on veut surtout. Hein. Ouais. Après, le petit Kawamatsu est sympa, j'aime bien. Le petit Konojo, pas trop mal aussi. Bah, après, j'ai pas eu trop le temps de regarder les personnages vraiment pour l'instant, je veux juste les tirer. Hein. Des personnages de Wano Kuni, je les adore. C'est les samouraïs, j'ai le Kinemon déjà en plus, il est sorti avec le petit Loluffy pour une misère. Il n'y a pas de raison que le petit Oden n'y sorte pas non plus. Il y a le petit rôle de la chance, celui où j'ai eu un Kaido pour 3 diamants. Maintenant donne-moi un petit Oden pour 3 diamants. 3 diamants. Allez, 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 fais-moi rêver, fais-moi rêver. Yasha, Ikaza. Avec la nouvelle animation. Allez, on inaugure la nouvelle animation. Ok. Allez, 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 donne-moi tout de suite. Du coup, je sais plus maintenant. Ouais. Mais quand est-ce qu'on a des dorés? Enfin, quand est-ce qu'on est sûr d'en avoir? Bon, là, pour le coup. Hein. Voilà, Captain Kuro, bon. La chance sur celui-là, ça sera pour un autre jour. Il y a jusqu'au 25, je crois, pour le faire. Pas mal, 25, ouais. Oh, ça fait à peu près un mois et demi, je crois, si je fais de conneries. Jusqu'au 25 avril. Ouais, c'est ça, à peu près un mois. C'est vraiment pas mal du tout pour essayer d'avoir Oden pour seulement 3ème. Plus tous les autres, évidemment. D'ailleurs, il y a des monstres, parce que je vois Zoro, Luffy. Le petit Kinemon évidemment, enfin bref. Bon, allez, c'est parti. Allez. Oden. Oden Kozuki. Kozuki. Yosha, Ikzo. Oh là là, allez, 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 allez. Je t'en supplie. Oh, allez. Ah, voilà. Quoi, c'est le genre de truc que je veux voir. Un petit drapeau là avec de l'or et tout. Allez, 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 fais-moi péter Oden direct, mon gars! Ah, René, ouais, tu vois, c'est super gardé, mais. Enfin, c'est pas remarqué, mais. On peut voir les. Oh, 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 oh. Non, Nani! Aïe! C'est pas de la merde, mais vas-y, c'est pas ça que je voulais. Mais ouais, on peut voir les. Sur les drapeaux, voilà, c'est un attaquant, un runner. Oh, que de la Kiku. Et voilà, bim, direct, tu vois, c'est ça la chance, bim, bam, boum. Allez, maintenant, jamais 203. Hein. Bon, la petite Vivi. Kuro. Allez, Loden, je pense que... Densama. Faut que je gagne un runner. Faut un drapeau avec un runner et une belle animation. Kobe. Jamais, la petite Nami. Pas du cola. Oh non!
Oh là là, le troisième dans le même rôle, quoi. Et le cinéma. Bon, c'est pas un ODN, mais franchement, eh, si ça, c'est pas de la chance. Trois personnages dans un rôle, dont deux samouraïs. Mais c'est pas fini, attention. Waouh. Le petit Kinemon, il va passer level 80. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va être enfin jouable. Bon, Kuma, il prend quelques niveaux, ça fait pas de mal. Et la Kikunojo qui débarque. Ça, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Franchement, en plus, c'est un bleu. Alors là, c'est parfait, franchement. Je dis merci. On va voir vite fait ce que ça donne. Inflige consécutivement des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la... Ouais, ouais, c'est un petit dash, quoi. Ça fait penser un peu à l'attaque de Cavendish. Et ensuite, on a quoi? Inflige des dégâts de moyenne portée en chargeant vers l'ennemi. Ouais, pareil, un autre genre de dash. Pas des dégâts a priori ultra colossaux sur le papier. Faut voir les traits, ce que ça dit. Se donne l'effet masque du démon. Ouais, ça peut être sympa, ça. Lorsque vous subissez l'effet masque du démon, les effets suivants sont activés. Augmentation de 100% de la vitesse du temps de compétence 1. Ouais. Ah oui, si, ça, effectivement, c'est plutôt cheaté, ça. Et augmentation... Ah oui, et la compétence 2, en plus. Ah oui, effectivement, c'est genre du full compétence. Combien de CDR de base? 20 secondes 32 secondes. Non, 20... Ah ouais, 20 secondes, 20 secondes. Ça veut dire toutes les 10 secondes, t'as un... Ok, sympa Kiku. Ouh, ça va être un sacré personnage aussi, à mon avis. Lorsque vous êtes dans la zone 1, 30% de dégâts infligés, ça aussi c'est monstrueux. Je l'ai avec le Moria, ça casse des races, laisse tomber. Lorsque vous mettez KO un ennemi, restaure 15% des PV. Ça aussi c'est plus que frais pour un attaquant en plus. Lorsque vous subissez. Putain, mais il y en a des traits. Hein. Lorsque vous subissez l'effet masque des démons, 30% d'attaque. Oh là 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 là. Ça va être magnifique celle-là. Enfin, celui-là plutôt techniquement. Augmente 50% en recharge des esquives. Ah, oh, ça aussi, c'est trop lourd. Ça, c'est un des traits qu'on voit suivi, enfin, qu'on voit carrément peu. Il y a, je crois, il y a que Corazon, il me semble que je l'ai vu. Et c'est vraiment un trait. Mais... Et si, voilà, les Katakuri l'ont. Mais sinon, ouais, bah, en gros, tu chunks des esquives en permanence, quoi. Donc, bah, pour faire des esquives parfaites, bah, surtout dans un combat, en fait, tu fais une esquive. Et juste derrière, bah, il y a de fortes chances que bah, l'ennemi, il est quand même un autre skill ou une autre attaque à t'envoyer, donc bah, tu pourras pas re-esquiver directement dans la foulée, alors que si tu as des boosts d'esquive, ça va vite. Hein. Là, tu peux. Avec le Katakuri, il y a moyen de s'amuser. Allez. Maintenant, El Ultimate Horror. Donne-moi Oden. Ikuzo ! Allez, de l'or. Oui, de l'or. Ya. Ouais, c'est ça. Allez. Ikuka. Oden. Oden. Je t'en supplie, Honneur. Déjà, allez, je t'en supplie, donne Oden. Fais péter Oden. Du cola. Encore du cola. Combien j'avais un peu soif. Allez, s'il te plaît. Oden! Non. Bon. Eh bien, c'est pas Oden. Mais bon, on aurait eu quand même un petit Kiku. C'est quand même ça. Bon, on verra la suite plus tard. Avec un peu de chance, j'aurais farmé quelques diamants. J'aurais de quoi refaire un petit roll ou deux. Et sinon, il y aura toujours les petits 3 diamants de Oden. On aura toujours une petite chance de l'avoir. Bon, bah... Voilà. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un petit commentaire, like et partage. N'oublie pas de nous rejoindre sur le Discord. Et active la cloche de notification pour ne rien louper. A demain à 14h, la piraterie.